Les amis, ça va ou quoi? On est dans la voiture avec les loustiques. Il y a le Bousito qui devait être là, mais il est parti avec son van. Puisqu'il nous rejoint ce week-end, les amis. Non, c'est mais... le week-end des caisses à savon. Non, mais il faut dire qu'il est passé par Nantes chercher un iPhone. Ouais, aussi, ouais. En fait, il nous a dit: ouais, les gars, on s'arrête à Nantes, j'ai mon iPhone à aller chercher. En fait, c'est même pas pour l'utiliser. Non, on en a rien à foutre. Il y a même pas pour l'utiliser. Bah oui, puisqu'on est sur la route toute la journée. Et il faut du wifi et tout pour le config. Ouais. Week-end des caisses à savon, les amis, direction Toulouse. On a 6 heures de route. À côté de moi, j'ai mon gars sûr, alias Dobby, qui fait ma compta. Ouais. D'ailleurs, 35,01€ le 23,06€. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est pas ça cool. Ça dépense. Ça dépense, ça dépense. Ça envoie de la moula, de la moula, de la moula. Du caramel. Est-ce que vous allez bien, les loulous? Ben, moi, je suis derrière. Figurez-vous qu'avec Dobby, les loulous, on a faim. On a très faim. Parce qu'il est 11h30 et le vie, il nous a dit quoi? À la prochaine fourchette. Je m'arrête. On s'arrête. La typique de Toulouse. Le cassoulet. La saucisse. Saucisse de Toulouse. Cassoulet, c'est Toulouse? Je sais pas, non? Je sais pas. Je sais pas, j'avoue. J'avais pas. Dites-nous de réponse, dans les commentaires. Les amis, bien arrivés. Mais qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Tu t'écoutes. Un petit 7 heures de route, tranquillou. Aujourd'hui, c'est détente. On est juste venu la veille, comme ça au moins on est tranquille. Du coup, c'est parti demain, les amis. Les petits pouces dans les abonnements et les commentaires. Checké. Code créateur Valouze, les gars. OSDG de la night, ça va ou quoi? J'ai pris le petit manuel là pour qu'on puisse voir et tout, les règles, etc. Bouzy, il est où? Bouzy, fait sa live. Bouzy, comment il va faire sa savon? Récapitulatif. Mais c'est pas la nôtre, je pense qu'il en a une autre. Bouzy, c'est notre pilote en plus. Hier, on a fait la route sans Bouzy, parce que lui, en fait, il part demain, je crois, enfin après les caisses à savon, ouais. À Annecy, faire du vélo. Et en fait, du coup, il est venu avec son van, avec son vélo dedans. Et du coup, on n'a pas fait la route ensemble. Et hier, on l'attendait pour aller manger hier soir. Pour faire du vélo. Bouzy, sans nous le dire. Ouais, les gars, bah moi, je viens pas, je vais faire du vélo avec des abonnés. Je vais faire le tour de Toulouse. Du coup, on le voit devant l'hôtel avec son vélo, prêt à aller faire le tour de Toulouse. Et ce matin, bah, on pensait déjeuner ensemble. On envoie un message à un conf, ouais bah moi j'ai déjà déjeuné. Bouzy fait sa life, je suis mort de rire. Bouzy frérot, il prend des forces pour bien piloter. Et regarde ce que j'ai vu ce matin. Le parcours, largeur de la piste entre 4 mètres et 3 mètres 50 au niveau des obstacles. Okay. Longueur 530 mètres. Obstacle, un jump, une wave, un virage à 180. C'est quoi ça, un virage à 180? Bah, attends, 360 c'est une tour, 180 c'est une épingle. Non c'est pas une épingle, c'est un... Ah oui, 90, 180 c'est une épingle. C'est une épingle. Ouais, elle est là. Ah, il y a une épingle. Elle est là. Ah ouais, il y a une putain d'épingle, j'avoue. Ah ouais. C'est le garage vert. Il y en a qui ont la ref ou pas? Cet après-midi, contrôle technique. Déjà, on sait même pas si notre caisse, elle va passer réellement. Après, vu qu'elle était préparée par Red Bull, si elle passe pas, je comprends pas. Petite assiette du matin, les amis, des petits fruits, pistaches. Tout pour prendre des forces, quoi. Le petit gâteau du chef. Oh, il est là. Oh, le chef d'équipe, il est là. On l'a pas vu depuis tellement longtemps. Hier soir, je suis sur YouTube. Vidéo de Bouzy. Je déballe le nouvel iPhone 14. J'étais en mode, ça c'est du Bouzy. Le jour de la sortie, c'est carré. D'habitude, c'est des lives. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, je faisais des lives à chaque fois que je déballais mon iPhone. Du coup, ça te fait bizarre d'avoir une montre ou pas? Parce que t'as pas l'habitude. Ouais, ça fait ça bizarre. Ça fait bizarre au début d'avoir une montre, ouais. Ça fait bizarre. C'est pas lourd, mais voilà, faut pas avoir peur de la tendinite. Ouais, l'encoche est numérique. Bon, ça sert à rien, l'encoche, je pense. Oh putain, la couleur, elle est magnifique en vrai. Ouais, la couleur, elle est belle. La couleur, elle est vraiment insane. C'est un n'importe quoi, je vous laisse les ouvrir, j'en ai ouvert qu'un pour vérifier. C'est cool. Mais c'est ça? Ah, mais c'est une tête de crouton. Attends, c'est exceptionnel. Attends, je vais voir. Vous avez trouvé ça où? À quel moment on peut acheter ça? C'est vraiment un crouton. C'est un crouton. Je reste toute la journée comme ça. Photo profil. Non, pas encore. Tu veux qu'on tire au sort maintenant? On le fait là. Bah, bon. Tu veux qu'on fasse le Shifumi? On fait le vrai Shifumi. Hein. On fait le vrai Shifumi. Shifumi, un point. Toi de fou là. Shifumi, 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 Shifumi. Oh, t'as perdu, tu vas dans la voiture. Tu vas dans la voiture. Attends quoi? Ah, j'ai perdu, non, putain, merde. Ah, c'était trop long. Qui va dans la voiture? Ouais, ouais. Il était trop. Ah, je vais dans la voiture avec toi. Oh, bordel. Pourquoi tu t'es dit que t'avais une photo de fou? Fais voir. Ah oui, vite, t'as un nouvel iPhone, tu peux faire des photos de fou, c'est ça? Ah oui, ouais. Attends, mais la Cali est dégueulasse, gros. Oui, non, mais c'est dégueulasse. Mais attends, il faut voir le moment. C'est comme ça. Elle est dégueulasse, la photo. C'est un iPhone 14. Elle est pire que mon iPhone 10. Ils sont dedans. Là, je peux descendre, là. Par contre, ouais, tu voulais mettre du coup ça au-dessus. Ouais, non, c'est impossible. Ouais, non, c'est littéralement impossible.
C'est dommage en vrai. On dirait un costume Fall Guy. Ouais, mais là, on va nous repérer à 150 km. Ah, mais on est des 40. On dirait qu'il a mis un t-shirt, lui, en fait. La honte. J'adore ce qui se passe. C'est quoi le plan de course, là, demain? Le plan de course. Tu vois ça comment? Vraiment, déjà, l'avantage, c'est que je suis avec toi et pas avec Dobby. Donc, déjà, on va prendre plus de vitesse. On va faire un voyage. Tu l'as vu, le tracé? Vous allez voir comment. Il y a une épingle. Il y a une épingle? Il y a une épingle. Ça, c'est chaud. Mais l'avantage, c'est que Fernando, il nous a fait vraiment une voiture avec un châssis incroyable. Ouais. On a des bonnes roues. Les tremplins, tu vas les prendre à fond de balle? Oui. Oh bâtard. Bah, de toute façon, il n'y a pas de frein. Ah, si, hein. Ah, si, un frein. Ouais, mais ça sert à rien. Je vous avoue, je me chie un peu dessus. Il y a la crouton là-bas! Il y a la crouton, les gars! La crouton mobile. La salade tomate crouton! Bah, j'avoue, on a oublié de lui donner le blaze et du coup, il n'a pas pu le faire. Il va peut-être le faire au marqueur aujourd'hui. Fernando, ça va? Ça va et toi? T'as bichonné la voiture? Oui! Elle est prête là? Je vous ai fait la salade. Bon, ça va, Fernando? Tu nous as fait la salade? Ça va quoi? Salut. Tu m'avais pas vu, mais enchanté. Non, bah, bonjour, là, c'est l'équipage au complet là, Fernando. Bonjour, toute la team. Bah, ça, c'est toutes tes voitures? Ouais? Non. Si, si. T'as fait tout ça? Quasiment. J'ai fait donc ça la combini, ok, celle-là on l'avait déjà vue. Ouais, ouais. Mais attends, tout ça c'est toi? Ouais, ça c'est moi. Ouais. Mais elles sont incroyables. Mais attends, mais elles sont incroyables. Attends, mais. Quoi? Je suis mort de rire. Ouais, c'est celle de Big Flo. Elle est trop stylée. Celle-là elle est excellente. Après, regarde, c'est un guidon de vélo. Guidon de vélo, frère. Comment ça, c'est un guidon de vélo? Oh, elle est excellente celle-là. Elle était pas là, non, elle était pas là, elle était en Allemagne quand vous êtes passé. Mais c'est solide en plus, hein! Ah, celle-là, ils vont se retourner! Ouais. Hein. Non, ils vont pas se retourner, mais. Ah, oui, ils vont se retourner! Ils vont être bien serrés, en tout cas! Ouais, mais d'un côté, c'est magnifique, en vrai! Là, il y a la télé, du coup, on avait vu le cadre! Ouais. T'avais dit que tu finirais par passer à la télé! Et bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien! Et regardez ce qu'il y a ici, là! Maman! Mais je pense qu'il peut pas y mettre. Est-ce que ce serait pas la salade tomate truquée? Oh putain, on va être là-dedans, frère! Ouais, du coup, j'ai mis un tissu, comme ça, ça évite que les trucs ils tombent au fond. Et là, du coup, je vais pas me prendre le pneu dans le cul? Non, tu vois, et j'ai mis une barre d'un bout à l'autre. Okay. Ah bah tiens, j'ai oublié une clé. Tiens, j'ai oublié de mettre une vis. Tiens, j'ai oublié le volant. Ah, parce que du coup, ça a été tiré au sort, c'est lui, hein. C'est pas moi dedans. Ouais. Ah, attends, il y a la tienne, c'est laquelle la tienne que t'avais? Ah, ouais, le concombre, nous, ouais, là. Il est là. Mama, mon concombre. C'est référence à la vidéo de Bouzito. Franchement, bravo. De rien. Bravo. Bah, je vous laisse passer le contrôle. Ça marche. Ça marche. Oh, oh. Il y a tout qui va voler, frère. Ça va être incroyable. Et merci Red Bull. Et merci Red Bull. En vrai, ça va être un week-end. On va s'en souvenir. Hein. Exactement. On va dire, tu te rappelles quand on avait fait caisse à savon? Je vais avoir mal au cul. Je vais avoir mal au cul. Oh le slip. Oh le slip. Oh le slip. Je vais être comme ça dans la descente, moi. Je vais le comasse, moi. Ça fait trop mal au cul, moi. Il est où le klaxon? Ça fait trop mal au cul. Au pire, tu prends un des fruits, un des légumes. Oui. Oh, mais t'as de la gueule. Manger 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai. Oh là, un peu trop de tomates, là. C'est quoi le volant, c'est ça? Il y a trop de tomates. Attends, mais pourquoi purée, on va faire ça? On voit pas la route, ça va être n'importe quoi. On est fait n'importe quoi. Le volant, il est où? Il est où le volant? Il est là? Non mais là, il y a trop de trucs. Mec, il m'en reste énormément encore. Attends. Vous la trouvez comment, notre voiture, monsieur? Elle est originale, non? C'est pour inciter les jeunes à manger des légumes. On ne voit plus. Tu veux les couverts? Donne-moi la photo. Donne-moi la fourchette, là. Elle est morte de rire. Ah purée, qu'est-ce qu'on se marre. Et moi j'en peux plus que leur connerie là. Par contre, premier degré, regarde, je vais montrer le point de vue. Regarde, le problème c'est que c'est con. Par contre, c'est super dangereux ça, vous allez me faire mal. Non mais premier virage, on jette déjà tout. Moi je suis avec mes bras, je jette tout. Mais moi j'aurais qu'un bras, parce que l'autre j'aurais une GoPro. Merde. Mais là on voit vraiment pas le devant de la route, là tu fonces direct dans un truc là. Tu veux le volant. Tu trouves le volant. Là je l'ai. Là, on aura plein de trucs qui va nous voler dans la gueule. Allez, et mec, tout. Fais hein. Gaffe, il y a du monde. T'as le choix quand même, bref. Ouais. Parce que là on pousse pas fort. A droite, à droite, ouais, à droite. Mais attendez les gars. À droite, à droite, à fond.
Encore. Non, attention les gars. Les prénoms, les gars, s'il vous plaît, là. Romain et Valentin. Valentin. Nickel. J'ai extrêmement mal au cul. Alors demain, je suis dans la merde. Bonjour monsieur. J'espère qu'on va passer le contrôle technique. Attends, et qu'il n'y aura pas de contre-visite. Attends, je vais te ramener la cave. Combiné. Si vous arrivez à vous frayer un chemin jusqu'au pilote. Ok, let's go. On est dans la merde. On est dans... On voit rien. On voit rien du tout, mais l'objectif, ça va être de se débarrasser dès le premier virage de tout ce qui nous entoure. On va distribuer des légumes aux gens et pour les inciter à bien manger. Exactement, parce que sinon, on va rien voir et ça va être compliqué. En fait, c'est un peu ça. Exactement. On va pas lancer des bananes, mais des croutons. Et bah, merci. Merci à vous. Hein. À plus. Souhaitez-nous bonne chance. Souhaitez-nous bonne chance, les gars. Le contrôle technique ne se passe pas comme prévu. Il veut accéder au volant. Bon, le tu vois rien, chapeau. Mais moi, je vois que dalle. Hein. Allez, on va au poids. Bah, j'ai les roues droites là. Là, ouais. Allez, on y va au poids. C'est quoi au poids? Bon, on va voir combien on pèse. La toute première vraie descente. Je vois rien. Je vois rien, ce qui se passe, gros. Je vois rien. Attends, je vais tenter de freiner. Je vais tenter. La drôle de vanne. Pousse-nous. C'est n'importe quoi. Donc là, contrôle technique, elle passe le poids, c'est ça? Elle doit pas dépasser un certain poids? 80 kilos. 80 kilos? Mmh. Bon, ça le fait combien de kilos, Fernando? Elle fait un peu plus, je pense. Un peu plus? Ouais, elle fait un peu plus. Combien? Aïe, 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 elle fait plus que 80 kilos. Mmh. Oh lolo. 85. On la refait, la pesée. Elle fait combien de kilos? Ah non, mais faut l'enlever hein, un peu, parce que là, c'est pas plat. Hein. Ouais, 85 kilos, c'est bon. Et en plus, il y a les légumes, au fur et à mesure, il y en aura moins. Ouais. Mais là, c'est pas plat non plus. C'est comme ça. Allez, bonne course. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon merci. Hein. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. On vous ramène une superbe voiture. C'est E2. Magnifique. C'est Team Crouton. C'est ça, ouais. C'est Team Crouton. Team Crouton, c'est les boss. Numéro 27. Hein. J'ai ma licence. Allez, t'es licencié. J'ai ma licence. La licence. Donc là, c'est officiel. Là, nous pouvons participer. Allez. Mama. Tu la trouves comment, la voiture? Franchement, elle est pépite. Hein. Chaud, ça cogne. Chaud. Faut la remonter, là? Bah oui, faut aller tout là. Allez, on remonte. Attention, vas-y, prenez-le à fond. Vas-y, t'es prêt? 1, 2, 3. Mais je vais douiller du cul, moi. Mais je vais douiller du cul, toi t'es dans un siège, frère. Ah, t'es mort, mec. Oh la vache. Oh, il y a une descente. Les gars, vas-y, attends, je vais dedans. Vas-y, c'est parti. Il va où? Tu t'es garé, gros! Mais mec, la voiture elle partait dans tous les sens à un moment! Ouais, c'est. Par contre, il y a vraiment du polysirène partout! Ouais! Tu l'as, ça? Mais ça fait mal! Tu prends ça en pleine gueule, ça fait mal! On l'a vu! Ah ouais, putain! Attends, par contre, la descente elle peut être incroyable si on a une vie comme ça! Excellent, frère! L'ambiance elle va être trop bien en fait ici! Hein. Ça va les carottes? Vous entraînez pour demain? Oui. Demain, je vais vous pousser comme jamais j'ai poussé quelqu'un. Ouais, non. Si je te jure. Non. Si, ouais. Si, c'est pour si, qu'on si, atteigne ouais. Le bout. Hein. Bah, t'inquiète, tu vas atteindre le bout, mec. Voilà. Allez. Regarde. Ah, okay. Tu l'as poncé déjà là. Mais je pense que ça va être quoi, rapide. Ça touche trop là. En fait, le pneu il lime la. Il lime la caisse là. Contrôle technique, il est passé. Il y a des belles voitures, hein. Regarde celle-là. J'suis mort de rire ça. Excellent. Regarde celle-là frère. Faut avoir des couilles pour monter dedans. Oh la vache. Bordel. Et mon collègue il est assis à contresens de la route derrière. Waouh, ouais, il a confiance hein. Attends mais j'avais pas vu celle derrière gros. C'est l'aspirateur des Télétobies. Elle est excellente. Merci. Elle est incroyable. C'est les casques. Mais attends, mais wesh. Oh, ça s'ouvre. Mais c'est quoi ce de fou? Ah, mais c'est tout en camon. C'est tout en camon. Et les Ghana, ils vont se démolir la gueule demain. Ça va être hilarant. J'aurais mis un doublé dessus là-dessus. Hein. Celle-là, faut des énormes coronesses. Les roues s'embauchent. Par contre, elle est incroyable visuellement. Ouh, il y a un barbecue, wesh. Oh, elle est excellente. Ah, mal les merguez. Oh là là. Elle va être déguisée comme ça, je suis mort de rire. Bousy, regarde celle-là. Putain, je te jure, c'est excellent. Sacré boule là. Oh la fusée là, gros. On va aller voir le début de la piste, les gars. C'est quoi ce truc de fou, frère? Waouh. Déjà, faut qu'elle assume juste ici là.
Ouais, c'est possible que vous n'alliez pas très loin. Hein. Ah ouais, c'est probable que imagine, il y en a, ils attends, du coup, nous on démarre de là. Oui. Et ensuite, après, c'est open bar. Le plat, et nous, on vous pousse là-dedans. Quoi. Ok. Ah ouais, du coup, après, il y a les obstacles à esquiver. Les voitures, elles vont être démontées, arriver ici. Elles vont se fendre en deux. Ouais, parce que. C'est pentu pour lancer, hein. Ouais, bah tant mieux. Mais attends, mais elle dure il y a combien de kilomètres oh, la piste oh, maman. Mais attends, mais on va prendre de plus en plus de vitesse en plus. T'es prêt à sacrifier le GP Explorer pour ça? Oh gros, en vidéo, je sais pas si ça se voit. Mais frère, mais. Premier degré, j'étais en train de regretter de pas être dedans. J'ai fait, oh putain, bâtard, Valouz, c'est trop bien. Eh là, y'a plus rien, Valouz, bon courage, mon gars. Je suis bien content de te laisser ici, je te dirai au revoir, gros. Et merci Red Bull. Et merci Red Bull. On l'a fait en descendant ? Red Bull, hey, quoi qu'il arrive, j'ai un on truc. On y va à pied, là. Si on se pète la gueule, Red Bull, vous nous devez un événement. Comme si les... on sacrifie le GP Explorer. Comme les sportifs ou les chanteurs, on fait assurer des cordes vocales ou des... Ouais, bon. Ouais. Nous, on fait assurer un événement. Puisque juste après, on a le GP Explorer. Bordel. Là, faut pas trop... Mais frère, là, faut pas que tu touches le rebord. L'inconvénient de notre voiture, c'est qu'elle est méga large. Non, mais arrivé là, déjà, on enlève tous les fruits. Hein. Déjà, là, je veux voir tout ce qu'il y a devant moi. Mais attends, mais du coup, sur les côtés, il y a du public ? Donc là, il y a 50 mètres, les gars. 50 mètres. Ah ouais putain. Oh y'a un radar. C'est excellent. Oh là 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 là. Attends mais il est très dessus là. Il est au moment en plus où il est vraiment à fond de balle et il y a un virage. Mais gros mais. Mais là quand je vois la gueule du saut, je suis obligé de mettre un coup de frein. Si tu fais un tout droit là, tu t'exploses. Ouais mais tu vois comme dans Need for Speed à l'époque, on cédait des murs pour tourner. Oh bah là. Mais là le mur il est pas dur frère. Le mur tu t'enfonces dedans. Mec on va arriver à fond de balle ici gros. Mais là je vais ramasser mon tarpé moi. Oh, je vais oh la vache! Je vais ramasser mon tarpé, frère. Elle est énorme. Ah ouais, en vrai, je vais pas mentir, il est énorme le son. Du coup, faut que tu te mettes plein de concombres au cul. Ah ouais, il faut que je mette des concombres au cul. Ouais. Et là, que je saute comme ça. Et là, tout droit. Oh. Et vous, tu cheats dessus ou pas du tout? T'en bats les couilles. J'ai tellement hâte. Pete, tu vas nous pousser fort? Oui, oui, oui. Toutes mes forces. Moi, je vais tomber. Hein. Mais il faut nous pousser fort. Moi, je vais tomber. Là, faut freiner. Impossible. Là, impossible. Le nombre de gens qui vont se ramasser devant. Mais le virage, là, il est hardcore. Mais frère, mais là par contre, tu vas pas la remonter. Ouais, à mon avis, avec le point, ça va glisser. Hein. Ouais. Moi, je pense pas que notre voiture elle passe ça. Non, non, là c'est bon. Bah, déjà, si vous arrivez jusqu'à vrai, là non, quoi. En vrai, quoi que je dis, c'est bon, mais peut-être pas. Moi, je pense pas. Vraiment... Avec la vitesse et tout. Je vais devoir freiner. Ouais, c'est ça, tu ouais, freines. Ouais, là, je pense qu'il faut freiner. Finissez au moins, les gars, la course. Le problème, c'est si tu freines, tu peux perdre de la vitesse et là, on est mort. Bah, ouais, t'avances plus quoi. Je vais freiner vraiment en cas de dernier recours. Mais dis-toi, il y aura du public là qui va faire allez. Allez, à 3 km/h. Je suis désolé, je veux qu'on vous voit jusqu'à la fin. Moi, je veux pas que la voiture arrive juste ici. Non, les gars, vous allez jusqu'au bout. J'ai rien à foutre. Ah, celui-là, il est hard du coup. Hein. What? Attends, quoi? Quoi? Non. Je crois pas une seule seconde. Celle-là, c'est un truc qui fait ça, je pense. Non. C'est non, mais... qui redescend, je pense. Oh, si ça, un tremplin, on est bon. On est bon, même si ça redescend en soi. Ça, c'est le finish, ça, non? Non, non, finish, t'es fou quoi, on est même pas à la moitié là. Mais si, on a fait 300 mètres. Ah ouais? Là, on a fait 400 je crois. Ok. Oh, ah non, mais là, ça... Non, mais ça va encore. Justement, c'est pas un saut. Non, Valou, celui-là, tu me fais confiance, on y va. Oh, celui-là, il va me faire mal au cul. Je suis tout droit après. Ah, y a des oh, celui-là, il va me faire mal au cul. Mais fais gaffe parce que si ça glisse, mais là, c'est pas la meilleure. C'est les 5 qui est bon. Ah, mais ça ralentit zéro, frère. Mais t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois. Bah, nous, là, on va arriver comme des balles. Hein. Elle est où la ligne? Moi, je crois pas que vous allez la finir. Hein. Elle est où la ligne d'arrivée? C'est là l'arrivée. La première épingle est très dure à passer. Ah merde, mais tout ce qu'on a fait là, faut le remonter là. L'épingle, elle est dure à passer en vrai. Ah merde, j'ai oublié, tout ce qu'on a fait, faut le remonter là. À vous là, si t'avais ça à disposition, tu lui ramènerais tous les véhicules du local. Bah là, oui. Mais bien sûr. Je ferais une vidéo avec. Je te jure. Électrique. En fait, c'est pour toi. Parce que quand je vois ton siège et les côtes, enfin les, ouais, moi, les tremplins, ça me mais fait mal à ton cul. T'en prends même, tu prends deux coussins et puis ça ira. Hein. Ouais, on verra. Hein. De toute façon, une fois que je suis avec l'adrénaline, c'est bon. Ouais. Pire, j'ai mal au cul. Hein. Excellent. Bah, les amis, RDV demain, jour de la course. Waouh, ouais. Wow, putain. Ça va être folklore. Mais franchement, celle-là, elle fait peur. Hein. Et là, toi, tu vas nous poser toutes tes forces. Ah, mais mec. Waouh. Non, si Bouzy dit waouh, c'est que... On va prendre de la vitesse. On va prendre de la vitesse. Ouais, on va prendre de la vitesse. Oh, bâtard. Mais faut pas que tu fasses de dingue juste là. Frère, faut vraiment pas qu'on se prenne le côté là. Faut qu'au moins t'arrives dans l'entonnoir. Tu peux nous pousser comme ça. Je suis pas maître de mon destin, putain de merde. Bon bah, RDV demain, les amis, sur la piste. Ça va, tranquille, je peux me mettre avec vous? Regarde quoi. Abandonner ses partenaires. Lewandowski a mis deux buts encore. Ouais. C'est abusé, hein. Bon, ma petite Bouze, t'as bien préparé la chorégraphie? LOL. Salut, ça va? Ça va ou quoi? Tranquille? La forme? T'as prévu quelque chose pour la course, Bouzy, là? Pour la course, qu'est-ce que j'ai prévu? Une première place? Ça te va, ça? J'ai rêvé d'un freinage. Putain, je te crois pas du tout. Je te jure. J'ai envie de prendre le risque de vraiment profiter
ta descente. Pleinement de... T'as envie de profiter pleinement de la vitesse. Ouais. J'ai envie que ça impressionne. Les gens se disent, mais non, mais il peut pas trop. Tu veux Vmax en fait. Ouais. Je suis dans la merde. Mama qui... ce boulard. Ah, mama le boulard, gros. Mais ça va carrément. C'est résistant ou pas? Mais bien sûr, vas-y. Attends. Ah, oh, bâtard. T'as mis vraiment là où il n'y a pas trop. Je t'ai tiré un pénalty en plus. T'es pas prêt pour tout à l'heure, toi. Ah oui, putain. Ah, il va se manger, gros. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est quoi? J'ai pas peur. Ok. Le Grand Prix Explorer, tu l'as dans le cul. Non. Il y a une civière et tout, frère. Ça veut dire qu'ils ont de l'expérience, je pense. Il y a même une remarque pour toi. c'est peut-être leur caisse à savon, non? Mais ça s'ambiance de bon matin, là. Ah les gars, putain, on va passer une bonne journée, je pense, aujourd'hui. Ça va être exceptionnel. Serre la paille. Oh là là. Et là, dans le rouleau. C'est les vagues. Allez, ma petite bouse. C'est toi qui tente. Allez, qui va aller. Wesh, le volant et tout. Je vais à l'arrivée, si tu veux. Je peux prendre des risques ou pas? Vas-y, tu peux la dire. Vas-y, t'es prêt? 3, c'est fort, 2, 1. Oh, il est passé. Ça, c'est mon pilote, ça. Tes premières sensations de glisse, là? Incroyable. Mais la voiture, elle est vraiment bien. Elle tombe bien, ouais. Hein. Elle est tellement bien que c'est trop facile. Ouais. Les gars, le prochain, c'est Dobby. Sauf que... J'ai un peu raccourci l'empattement de l'obstacle. Donc normalement... Et Dobby, il a pas vu. Soit il freine beaucoup, soit il se le prend. Normalement, il se le prend normalement. Oh, le Dobby. C'est confiant ou pas? Non, t'inquiète. Vas-y, attends, je vais au virage. Je vais là-bas. Oh, il arrive à prendre mal. Mais ça passe pas, gros. Ça passe pas. Mais ah oui, bon, regarde. Ah oui, j'avoue. C'est impossible, ça passe. Bon, cette fois-ci, tu me fais pas la vanne, hein. Non, c'est bon. Oh, fond de balle. Il a pris un ballon, wesh. Eh, c'est incroyable, par contre. Il a fait comme moi, mec. J'ai défoncé le ballon de paille. Celle-là, tu fais vraiment toute la course avec, elle doit être excellente. Allez, Bouzy. Mais attends, mais Bouzy, il est en train de repasser, frère. Ça me tue de rire. Oh putain, il a vite. Oh putain. Oh, il a passé. Allez, une dernière. Ah, ça sent le pneu, frère. Ça sent le pneu, la vie de ma mère, attends. Attends. Ça va. Ah gros, le pneu, il est chaud, mon gars. Mais attends, mais ça, il y avait pas ça hier. Ah oui, la vague. Oh la vache. Oh la vague, on va peut-être pas la passer, la vague. Bah là, on y va à fond, on m'en bat les couilles. Là, gros, pas le choix. C'est trop marrant de voir tout le monde commencer à se déguiser et tout, gros. Regarde, c'était l'aime, gros. Faut pas que tu t'enchaînes. Oh, quel crack. Ouais, alors c'est parfait ça. On va au bout. Hein. On va au bout, nous. Putain, notre voiture quoi. Bah. Qui voilà? Ça fait des grasses maths ici. Ça va les gars? Bon, Peña, la Corée. On va faire un Corée, truc. Hein. Tu filmes? Ouais, je filme. Bonjour. Ouais, comme ça. Ouais. Bon les gars, on prépare la Corée pour juste avant de descendre. Il faut une Corée de 20 secondes. J'espère que vous êtes prêts. On est avec Ophénia, la TikTokeuse professionnelle. C'est Ophénia ou Provoto là? Ouais. Oh, ça va être malaise. C'est très très hilarant. Mais en fait, on arrive. Ok, faites ça. Ouais. On se met en face. Voilà, okay. Ouais. Bam. Ouais. Ouais, vous embrassez sur la bouche. Faites un bisou. Oh. Et après, on descend. Ouais. Là, c'est bon, on a gagné, là, c'est bon, 20 secondes. Là, c'est bon, on a 20 secondes. C'est la juge, hein. On veut la note maximale. Jury. La note maximale, hein. Aïe. Petit ressenti à quelques heures de la course. Tout va bien. J'ai pas trop mangé au cas où ça se coûte trop. Non, je le sens bien. Ils m'ont fait comprendre hors vidéo qu'il fallait que je finisse la course. Qu'ils comptaient sur moi pour vraiment la finir parce que je pense qu'il y aura vraiment une voiture sur quatre qui va finir. Mais le problème, c'est que l'adrénaline va prendre le dessus et. Faut compter sur Bouzy le pilote, quoi. C'est une photo? Non, je pense que c'est. C'est une photo. C'est le livre Le produit zizi sexuel, tu sais. Ouais, c'est Titeuf. Oui. C'est un cadre. Oh non. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Vas-y. Ah ouais. Bastos. Par contre, si tu le mets en peinture, ça peut être stylé.
Il manque de couleur. Ouais. C'est joli, hein. Mais il l'a dessiné au bic. Ouvre grand. Elle vise la bouche. Ah, c'est bon. Il a servi un thé. Eh, hey, y'a du people, hein. Oui. Regarde la petite pancarte, là. Oui. Elle est contente. Les amis, ce qu'on fait, c'est que là, on va à l'épingle pour voir les premiers participants, pour voir un peu comment c'est casse-gueule. Ah oui, lui, il est dans un arbre, frère. Je suis mort. Regardez, c'est dans un arbre. On va avoir un couloir de gens. Ça va être n'importe quoi. Mais attends, mais en plus, le pire, c'est que ceux qui sont là techniquement, ils voient rien. What the fuck. Et l'event, il commence dans 1h30. Hein. C'est exceptionnel, les gars. Bon, c'est là-bas, mais il n'y a pas de place pour nous. Du coup, on va regarder sur la télé. C'est parti, mec. Là, c'est le lancement. On attend ça depuis 3 jours. C'est le premier, là, c'est le premier. En vrai, pour avoir vu les premières voitures, parce que nous, on passe la 27ème, là, il y en a peut-être 15 qui sont passées. J'ai plus du tout peur. Ouais. En fait, ça va au ralenti. Ouais, ça va pas. Je suis limite un peu déçu. Ouais. Après, nous, la note, elle est plus lourde que la moyenne. Donc, peut-être qu'on peut aller plus vite. Mais j'ai trop peur que la pente, elle soit pas assez pentue et qu'on s'arrête en plein milieu. Ça serait le bide. Donc, misez dans les commentaires, bide ou pas bide. Ça me fume de rire. Ça va ou quoi? Une confiance sur 20 là. On peut pas faire une confiance sur 20, 19,5 sur 20. Mais tu rentres où là? C'est vrai, hein. Parce que là, moi, je vais mettre 8 ans à m'asseoir là-dedans. Au pire, nous, on s'assoit. Et eux, ils prennent les couverts et ils font une invocation. Encore plus, c'est un peu l'arme. Hey, Pete. Hey, les carottes, hop là, hop là, hop là. Oui. C'est quoi ta corée? Tu veux... Mais fais une corée, vas-y, fais la corée. Non, bah en vrai, on avait une vraie corée. Hein. Ils sont chauds Toulouse. Chaud. Bah, je co-signe, ça va encore petit YouTube. Tu gagnes pour moi. Bah, co-signe, t'es bien timide là. Ouais, la télé. Y'a tout le monde. Vous allez faire une danse là? Ouais, on avait prévu une danse, mais on va improviser. Ça va être malade. Il y a son dos là. Son dos là-dessus? Ouais. Donc son cul ici? Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas caler là. C'est pas. Ça va encore. C'est pas au petit. Et encore, la mousse a été rajoutée hier. Tu préfères arrêter en plein milieu et devoir vraiment sortir et tirer ou avoir un accident? Non, accident fois 1000. Je préfère mourir. Non, impossible. C'est quoi le meilleur temps pour l'instant? Moi j'aurais dit 58. Ouais, 58. Dans les 1004, c'est bien pour c'est bon là? Ouais. Eh, vous êtes prêts? Faites du bruit! T'es confiante? Bah écoute, tout le monde. En vrai, nous on est archi confiants. C'est eux qui sont devant, je pourrais être confiant. Attends, je voudrais s'ils sont confiants. Vous êtes confiants vous? Oh, archi mec, archi confiant, mais c'est Eve. Salut, confiant? Ah, on est bien là, on est bien. Mais très très bien les gars. Merci Gaël. Dans quelques instants, on va retourner à la compétition. Avec une hors compétition. Ils viennent de Bretagne. Ils sont youtubeurs et ils sont hors compétition. Ils mangent des galettes saucisses. Le pilote supporte le Stade Rennais, mais son copilote est plutôt lillois. Ils aiment le risque et donneront tout pour passer la ligne d'arrivée en vie. Ladies and gentlemen, Toulouse. Un maximum de bruit pour la team. Crouton! Il n'y a pas de note, évidemment, on vous donne 40. Quoi qu'il arrive, on vous donne 40. Est-ce que Toulouse, tu es prêt pour la team Crouton? C'est quand vous voulez, évidemment. La team Crouton, les youtubeurs, connus. C'est quand vous voulez. La cloche a sonné, il faut y aller. Allez. Oh putain! Oh putain! Valouz et le Bouzeux, les Croutons sont là, dans la place. Oui, on peut passer.
La loose et le bouseux. C'est bien, c'est que le copilote, il prend le temps de prendre la caméra, tu vois, genre, bah, je filme en fait, je prends le temps. Oh, et pas de train, pas de train, pas de train. Oh, c'est parti. Oh. Bon, les pousseurs, comment ça se passe pour Valouz et le Bouzeau, les croutons? En vrai, c'est trop trop bien, on pensait que ça allait être archi lent, et au final, ils vont trop vite, hein. Oh. Chaud, ils sont trop trop chauds, on est grave contents, let's go. Et ben en termes de chrono, on est pas mal, on va arriver dans le virage du rond-point. Un bon, un bon, un bon. C'est là qu'il peut se passer quelque chose là. Non, on a dit le frein, on connaît pas le frein. Oh, il est chaud, Bouzy. Allez. Un vrai temps là. Ouais, il va faire un vrai temps. Ils vont faire un vrai temps, les croutons. Ça va taper en moins d'une minute ou pas? Quasiment la minute. Ouais, 1:01:18. Et juste pour le kiff, ils ont pris la botte de paille en arrivant, forcément. J'ai volé. Ah, oh, j'ai volé. Ah, oh, putain, c'est merde. 59-32 parce qu'on a recalé le temps. 59-32, c'est le temps définitif. Donc on est en dessous de la minute pour les croutons. Gaël, pas mal pour cette équipe hors compétition, les croutons. Oh, c'était incroyable. Oh. Oh, vraiment, les sensations magnifiques. Surtout toi, ça t'a dû kiffer. Ah, c'était mouvementé. Qui était à fond dedans et tout, c'était incroyable, vraiment. Ah, vraiment top. Et c'est arrivé dans la botte de paille là, c'était calculé ou quoi? J'ai essayé de freiner, mais malheureusement, ouais, ça a pas assumé derrière. On arrivait vraiment trop vite. Ah, ça m'a fait peur. Ah, c'est cool. Voilà, c'est vraiment. On était à combien là? On va être à 40 ans. Ouais, vous alliez très très vite. Très très vite. 59-0. Oh non, putain, ouais, l'avant de la voiture, il est dézingué. Oh, c'était incroyable. Oh, putain, c'était incroyable. T'as kiffé? Oh mec, j'ai kiffé de ouf. Pourquoi t'as pas freiné? Bah, il y a pas de frein. Il y avait pas de frein sur la voiture. Je sais pas si on peut le dire, mais oui, il y a pas de frein. Ah ouais, il y a pas de frein. Mais t'imagines, là, on arrive à 50, t'as vu la pâte de paille? Imagine, t'arrives à 150. Ah bah, tu t'arraches, hein. C'était exceptionnel. Merci, Fernando. Top. Alors vous? Vous avez rigolé? Ouais. Mais en vrai, et votre corps, ça va, hein, le score, là? Moi, je touchais pas le sol. C'est-à-dire que là, c'était le sol de la voiture. Je sautais là, bah, bah, et les freins, ils ont lâché. Ah ouais? J'ai vu la boule de ballon de paille. On a volé. T'es descendu en bas voir la voiture, l'état de la voiture? Ouais. Non, t'inquiète. Ah ouais, ils ont vraiment pas blagué, hein. Mais n'empêche, ça a tenu. Oh là 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 là. Bon, apparemment, il n'y a plus trop de freins. Je sais pas ce qui s'est passé là. Attendez, venez, on regarde. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? Ah mais non, mais ok, ils pouvaient pas appuyer sur la pédale en fait. Ah mais c'est pour ça. Il avait plus de freins parce qu'il y avait un concombre. Je suis mort, incroyable. Bon les gars, c'est la fin de journée là. Ça fait bizarre, c'est tout vide là mon gars. C'est du cadavre ça, je reconnais. Mama celle-là. Ouh. Bah les amis, cette journée restera gravée. C'était vraiment stylé. T'as bien aimé, Pid? Oui. C'était trop drôle. Ah oui, c'était drôle. Franchement, moi j'ai hâte de voir, bah du coup, parce que nous on n'a pas vu notre replay de course. J'ai hâte de le voir, je vais le voir au montage, tu vois. Ah ouais. Et même ce qu'ils ont pensé, Pid et Dewey, quand ils nous ont largué. Même nous, ce qu'on a dit. Ouais, parce que gros, en une minute, il s'est passé tellement de trucs que je sais même plus ce que j'ai dit. Ouais. Je pense que le premier saut, je l'ai pas vu venir et j'étais en mode. J'étais choqué. Mais toi, t'as passé ton temps à faire. Voilà. Ah non, mais c'était. Avant, t'as dit freine à la fin. Ouais. Et en fait, en gros, on n'a pas pu freiner parce qu'il y avait un concombre sous son frein. Putain, il y avait un concombre sous son frein, le truc trop dangereux. On est arrivé à. C'était le destin. Balle, hein, putain, c'était le destin. Ouais. Ah là là. Bah, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Merci Red Bull encore une fois. On se laisse sur ça. Les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, nouvelle dégustation, tout ça, tout ça. Chiki. Ciao tout le monde.